Information, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir, internautes. Président pays Bulgarie, Roumen Radev, accusé Ukraine comme un pays qui pas voulait mettre fin en la guerre et qui a couru loin toute possibilité diplomatique qui capable porter une solution avec conflit, lui-même avec pays la Russie. Yon accusation que autorité ukrainienne rejeté. Yon l'autre bord, Volodymyr Zelensky, Jean que l'ité promet li hier 23 juillet, jeudi 24 juillet, a gagné territoire pays la Russie qui attaqué, et spécialement capitale pays la Russie Moscou, t'ava frappé avec deux drones et gagné la Crimée. Ukraine t'ava lancé une attaque avec environ 17 drones et 4 missiles. Nous prenons bon plus de détails en dedans. Vidéo ça, m'a rappelé ou sous immigrant, m'a invité ou apaiser bouton abonné pour capable rester connecté ensemble avec nous. Fait sûr que ou mettez cloche notification sous toutes, sur Facebook et sur YouTube. Dis soit pensé dans l'espace commentaire, s'il vous plaît, partagez, en plus partagez pour plus monde capable informer et si on façon tout capable contribuer en dans travail si là. Dans la nuit 23, rivé 24 juillet là. Gagné l'armée pays Ukraine non qui attaquait capitale pays la Russie Moscou. Dans cas d'attaque ça Ukraine t'a lancé environ 2 drones sous territoire pays la Russie spécialement capitale là. Selon ministère défense pays la Russie 2 drones yo t'a neutralisé par système défense électronique que yo gagné. Mais drone yo dans chute yo t'a fait dégâts dans ville là. Deux drones sayo t'ava tombé sous deux bâtiments non résidentiels tout près ministère défense pays la Russie. Jean qui est capable de regarder sur écran là drone sayo malgré yo t'ava désactivé par système électronique Jean ministère défense pays la Russie dit mais chute yo fait dégâts sous bâtiment. Yon nan drone yo tombé sous un bâtiment que Leroy Merlin partage tout apparemment pays Ukraine n'était visé bâtiment intelligence pays la Russie en dans Moscou gagne tout yon remarque important selon plusieurs commentaires apparemment drone sa yo pas sorti directement sous territoire pays Ukraine gagne plusieurs moun qui t'a commenté ou seulement tendi bruit drone pendant quelques minutes environ 10 minutes mesdames messieurs et après ces explosions que t'a va tendi apparemment li possible pour drone capable sorti directement sous territoire pays la Russie, ça li habitué fait déjà avec attaque ukrainienne et là encore si travail service renseignement et bon comme moi très souvent dit li c'est véritable problème qui gagne lorsque ou en guerre avec un pays ou partager frontière ensemble avec lui et Ukraine c'est une mais pays qui avec Ukraine tout qui très fort dans domaine ça et dans partie ça et encore yo vinn tourner une gros force pour capable mener qualité attaque sa yo nous pas gagné une confirmation réelle que drone yo sorti directement en dans la Russie par rapport avec plusieurs commentaires apparemment drone yo t'a sorti directement en dans pays la Russie yo décollé pour frapper capitale là mesdames messieurs et dans sens ça tout est vraiment difficile pour système défense pays la Russie a et li capable troubler vigilance surtout à n'importe moment nous est qui ça que drone ça a été fait déjà dans le passé a été même frappé par les pays la Russie c'était même scénario c'était en dans la Russie drone yo était sorti encore et c'était hypothèse qui était avancée après capitale pays la Russie Ukraine t'ava frappé tout la Crimée mesdames messieurs une autre fois encore Ukraine t'ava lancé environ 17 drones et 4 missiles gagné 14 dans 17 drones qui détruit gagné 11 qui t'ava neutralisé par système défense électronique qui tombé dans la mer et toi l'autre atterri sous Crimée gagné plusieurs détonations qui t'a fait en dans Crimée parmi Sibio apparemment gagné un aérodrome en dans Crimée qui touché et gagné un dépôt munitions qui était en dans aérodrome non qui t'ava touché information ça y aurait été pour capable confirmer par source officielle yo mesdames messieurs pays Ukraine lancé attaque sa yo après pays la Russie hier dimanche l'an te bombardé Odessa et te fait en pile dégâts en dans ville là et président Volodymyr Zelensky te promet la bayon réponse ça c'est nouvelle phase nous capable dit partie qui développé en dans conflit a nous suis certain tout autant conflit a fait plus temps nous a gagné scénario nouveau qui a vini et ça capable vraiment dégénérer et c'est ça
que nous t'ai parlé, ça fait plusieurs mois déjà, sous lui-même, sous scénario nous capables de découvrir un de conflit. Et tout autant niveau à monter comme ça, nous risquer des escalades qui pire élevées à n'importe moment. Et ça fait plusieurs mois, moi t'ai parlé sous genre de scénario ça y est. Tout autant conflit a fait plus temps, nous avons gagné des situations qui pire sanglantes et nous avons gagné en pile surprise en dans conflit. Moi rappelle moi t'ai dit ça tout. Tout autant conflit a prend plus temps, li possible pour que li capable jambé frontière. Jambé frontière soit pas zak terroriste, zak sabotage, li possible pour que en pile l'autre pays et spécialement pays hostile la Russie yo, et l'autre pays apparemment qui a aidé la Russie tout yo capable toucher par des actes sabotage en dans la caillou. C'est un scénario que moins prévoit qui capable développer très bientôt si conflit a continuer dans intensité ça. Et mesdames messieurs, après attaque ça, monsieur est certain que Ukraine li pral recevoir yon réponse dans même pays la Russie. Et une remarque qui vraiment important, Ukraine est arrivé dans un stade bon mabou et c'est un stade tout résilience non capable dit parce que Ukraine li finalement dit animal nan mal li nan mal net et dans stade ça li vraiment important pour Occident qui a supporté Ukraine ou encore Occident collectif mesdames messieurs et les États-Unis d'Amérique parce que un objectif que Occident gagne avec Ukraine c'est affaiblir la Russie, c'est faire la Russie faire gros déficit en dans conflit là. Tout autant Ukraine rete dans stade résilience que nous capable constater a li pi bon pour Occident mais pria c'est sacrifice Ukraine, c'est sacrifice ukrainien yo. M'pense ça tout li vinn bay plus difficulté pour capable chercher route pour mettre fin avec conflit a parce que Ukraine youn nan raison qui fait tout li pas tellement envisager négocier conflit a non seulement c'est territoire qui nan met la Russie et puis li gagne garantie plusieurs pays plus passer 50 qui fait qu'on est avec li que y a aidel pour joindre une victoire. Avec garantie plus passer 50 pays, Ukraine obligé rentrer dans stade de résilience là et fait frappe pour frappe malgré conséquences capables vraiment tristes pour tous de camp yo mesdames messieurs et spécialement Ukraine, li capable véritable victime là nan jouet ça. Mais ça pas empêché que li même par bon côté par li immédiatement frappé, li commencé tout frapper la Russie, une interdiction qui était gagné au départ. Bon, non pas vraiment qu'on est pour qui raison et allié Ukraine yo t'ai toujours dit pas d'accord Ukraine frapper la Russie spécialement avec zam que même yo bay la Russie. Mais ça pas t'empêcher plusieurs attaques drones t'ai faites sous pays la Russie à plusieurs reprises, mais nan moment ça que n'a pas les là attaque yo pi actif et monsieur certain évolution ça li gagne rapport avec tant que conflit apprend et monsieur certain ça monte pi haut très bientôt. Restez connecté avec Zain Immigrant après ta le comme ça pour une autre sortie.